Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part du Seigneur, et je salue chacun de vous, comme de coutume, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce de recevoir la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, et de la croire et de la serrer dans votre cœur, afin de ne point pécher contre le Seigneur. Et que Dieu puisse vous éclairer, qu'il puisse vous révéler ces choses, qu'il puisse vous montrer le chemin qui mène à l'éternité, que vous puissiez fuir tout ce que Satan fait sur la terre, et que vous soyez trouvés aussi parmi les vainqueurs de cet âge pour prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance philosophique, religieuse, culturelle, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. La Bible dit que personne ne soit sage à ses propres yeux, mais que nous soyons sages selon Dieu et que nous ayons la connaissance selon Dieu, selon qu'il est écrit que, hors la vie éternelle, ce qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est la véritable connaissance, c'est ça, de connaître le véritable Dieu, de savoir qui il a envoyé. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je dis toujours que Dieu vous aime et qu'il a pourvu de sa parole, afin que tous ceux qui sont égarés, qui sont venus sur cette terre étant esclaves des choses de l'ennemi, du diable, qu'ils puissent retrouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous salue et je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur, et que la parole du Seigneur puisse pénétrer de part en part votre cœur, qu'elle puisse ôter de vous tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est de l'homme, et que vous puissiez retenir simplement le « ainsi dit le Seigneur », la parole du Dieu Tout-Puissant, et que cette parole puisse vous procurer le salut que vous avez besoin, qu'elle puisse procurer la paix, la joie, le bonheur, et que vous puissiez tout le temps vous réjouir dans sa présence, sachant que dans peu de temps, il va paraître dans les airs, et nous serons avec lui pour l'éternité. Ainsi, quel que soit l'endroit où cette émission va vous atteindre, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, au Proche-Moyen-Orient, et c'est pas moi, en Papouasie, c'est pas n'importe où, en Australie, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous, que la grâce du Tout-Puissant vous accompagne, et que vous puissiez être trouvés parmi ceux-là qui ont trouvé grâce à ses yeux pour qu'il puisse vous révéler ses voies. Ainsi, merci pour vos prières à notre endroit, merci pour vos soutiens matériels et financiers, merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Que Dieu vous rende en centuple pour son œuvre et qu'il se souvienne de vous pendant qu'il bénit les autres sur la terre, que vous soyez aussi parmi ceux-là qui sont bénis de sa part. Ainsi, nous allons encore une fois nous plonger dans les trésors insondables, n'est-ce pas, sa parole, et heureuse la personne à qui Dieu révèle ses voies, à qui Dieu révèle sa parole. Par cette parole, elle est cachée aux uns, elle est révélée aux autres, et soyez parmi ceux-là dont les yeux sont loin pour voir ce que Dieu fait dans notre temps, ce qu'il fait pendant que nous respirons. Est-ce que Dieu vous bénisse pendant que nous allons encore une fois nous tourner vers lui pour lui demander que lui seul nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore pour moi un grand privilège et une faveur obtenue de la part du Seigneur de pouvoir, au travers de ces émissions, vous parler des choses que le monde ne connaît pas, des choses que la science peut sonder mais qu'elle ne comprendra pas, parce que ces choses, ce n'est pas révélation qu'on peut la recevoir, et la révélation, c'est Dieu qui la donne. La révélation vient du Père, la révélation vient du Saint-Esprit, et si Dieu ne vous révèle pas ses voies, vous n'allez pas les connaître. Et le psalmiste a dit quelque part dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles est claire, et donne de l'intelligence au simple. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, nous sommes en train de nous entretenir du message précieux, du message biblique du temps de la fin, et qui est la parole révélée pour cette heure. Nous sommes en train de nous entretenir de ce message que Dieu a envoyé, et ce n'est que dans ce message que le Seigneur Tout-Puissant a mis tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous préparer pour le jour de sa venue. C'est dans ce message que les ingrédients qui sont nécessaires à notre préparation sont dedans. Et ce n'est pas dans une parole dénominationnelle, ce n'est pas dans le groupe de prière, ce n'est pas dans les églises soi-disant de réveil, que moi j'appelle de sommeil,
Mais les ingrédients pour le retour du Seigneur, tout le monde peut prendre le retour du Seigneur. Mais seule son épouse va se préparer, seule son épouse sera prête pour le jour, pour l'heure, pour la minute, pour la seconde, du jour de sa venue. Et nous voyons que tout ce qui est nécessaire pour la préparation nous est révélé dans ce message. C'est comme du temps du roi Assuérus, quand il a fallu choisir une épouse, et qu'on a rassemblé les jeunes filles qui étaient vierges de toutes les 120 provinces du royaume, et que le roi devait choisir parmi toutes ces filles qui sont venues de toutes les 120 provinces, il devait choisir une seule qui devenait son épouse. Ce n'était pas un choix facile. Et chaque fille devait passer devant le roi pour que le roi puisse choisir. Et nous voyons qu'il y a une seule qui a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque du roi, qui était Gaï. Et cette seule, c'était Hadassa, appelée aussi Esther. Esther signifie l'étoile, qui a brillé parmi la multitude de jeunes filles. Et il lui a été révélé quel était le désir du roi, ce que le roi aimait, ce que le roi était. Et Esther s'est préparée en conséquence, de telle sorte que quand elle a paru devant le roi a dit: voici la reine que je cherche, voici la jeune fille que je recherche. Écoutez, c'était l'étoile Esther Hadassa qui a brillé dans la présence du roi Assuérus. Et c'est la même chose avec son épouse, l'épouse du roi des rois, l'épouse du Seigneur, l'épouse qui est une épouse parole. Ce n'est pas une épouse interprétation, c'est une épouse parole. Et cette épouse, elle brille parmi toutes les églises qui sont sur la terre, parce qu'à elle seule est révélé les secrets de la préparation. Et les secrets de la préparation se trouvent contenus dans ce message. Et heureuse est la personne à qui révèle cela, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui se cache, mais il est aussi un Dieu qui se révèle. Vous comprenez, je crois que c'est dans Ésaïe, au chapitre 45, où il est écrit cela, que ce Dieu que nous adorons est un Dieu qui se cache, mais c'est aussi un Dieu qui se révèle. Si j'ai bonne mémoire, voici, je retrouve ce passage. Mais disons que c'est le Dieu merveilleux. Il se cache, mais il se révèle. Il se révèle uniquement à ceux qu'il a connus d'avance. Tout le monde ne le rencontrera pas, tout le monde ne verra pas, mais nous voyons que c'est comme quand le Seigneur était ressuscité. Il ne s'est pas montré à tout le monde. Il ne s'est pas montré aux pharisiens. Il ne s'est pas montré aux sadducéens, il ne s'est pas montré aux scribes ni aux sacrificateurs. Il s'est montré seulement à ceux qu'il avait connus d'avance, bien avant la fondation du monde. Et nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Les voies du Seigneur ne sont révélées qu'à ceux qu'il a connus d'avance. Et nous voyons que nous sommes en train de parler des prophéties bibliques révélées pour le temps dans lequel nous vivons. Vous comprenez? Et nous sommes arrivés à un point qui est le rétablissement d'Israël en tant qu'État, et nous allons aussi parler de l'avènement de nouveaux États, mais nous sommes encore au niveau d'Israël. Et Israël a été et sera toujours l'horloge de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur a permis que Israël soit comme un signe selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 32 jusqu'à verset 35. Je le relis cela pour que nous puissions nous remémorer ce que nous avons déjà vu avant. Il est écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération qui verra cela ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et nous avons étudié ce passage pour montrer le figuier dont le Seigneur est en train de parler ici, c'est Israël. Israël en tant que nation, tel qu'il est écrit dans Osée chapitre 9, verset 10, que j'ai vu vos pères comme les branches d'un figuier dans le désert. Et nous voyons que Israël est l'horloge de Dieu. Willam Branham disait: si vous voulez connaître l'heure, regardez à votre montre. Si vous voulez connaître le jour calendrier, regardez à votre calendrier. Mais si vous voulez connaître le temps à la montre de Dieu, alors regardez à Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et nous sommes en train, nous avons vu que le Seigneur a donné cela comme un signe.
Le figuier qui était, je peux dire, ce qui avait séché, qui n'était plus en état, le figuier qui était considéré comme étant mort. Mais il est dit que ce figuier va de nouveau rebourgeonner. Et quand vous verrez cela, sachez que le figuier est à la porte. C'est-à-dire que quand vous verrez de nouveau l'État d'Israël en train d'être restauré et qu'Israël, qui sera dispersé pendant des siècles, Israël redevenait encore une nation, alors sachez que le temps est là, tel que nous l'avons vu dans Jérémie chapitre 31, verset 10, où il est écrit: Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publia dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Vous comprenez? Celui qui a dispersé Israël, le même qui l'a dispersé, c'est l'Éternel, à cause de son incrédulité, à cause de la dureté de son cœur. Il dit, celui qui l'a dispersé, c'est celui qui le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Et nous avons commencé à voir depuis l'émission qui a précédé celle-ci le problème de Jérusalem. Il n'y a pas une ville dans le monde qui est autant convoitée que Jérusalem. Toutes les nations, je veux dire les nations européennes, la nation américaine, Jérusalem est un sujet de controverse dans le monde entier. Les yeux sont tournés vers Jérusalem, tout simplement parce que si les Palestiniens veulent un État à eux, mais ils exigent que cet État aura pour capitale la moitié de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem-Est. Et imaginez-vous une ville, enfin plutôt deux États, qui ont une seule ville comme capitale. Et Israël aura Jérusalem-Ouest et les Palestiniens auront Jérusalem-Est. Et ça, Israël ne veut pas en entendre parler. Israël dit, écoutez, Jérusalem, c'est la capitale indivisible, telle que l'ancien premier ministre, M. Netanyahou, disait, c'est la capitale indivisible d'Israël, et nous ne permettrons pas qu'Israël, plutôt que Jérusalem, soit divisée en deux. Alors, nous avons commencé à étudier un peu cette ville de Jérusalem et comment elle est venue à l'existence. Et nous avons, pour ceux qui étaient avec nous dans l'émission précédente, nous avons vu que cet endroit, c'est là où, comment je veux dire, l'Éternel a conduit à Abraham à vouloir aller pour sacrifier son fils Isaac, le mont de Morija. Et ce mont de Morija était à l'emplacement même où la ville sera érigée des siècles plus tard. Et nous voyons que c'est à cet endroit que le mont du Temple sera érigé. Et nous avons vu cela, et je ne veux pas revenir là-dessus, et nous avons vu que le Seigneur, qui est un véritable pédagogue, qui sait exactement comment arranger les choses. D'abord, il a conduit Abraham sur cette montagne et il lui a dit, écoutez, prends ton fils, celui que tu aimes là, le fils que tu chéris là, et amène-le-moi sur une haute montagne et là, je te montrerai là ce que tu vas, comment tu vas faire. Tu vas le sacrifier pour moi sur cette montagne. Vous comprenez? Et c'est là, au pays de Morija, qui plus tard, cette ville sera construite autour de cette montagne. Et il est dit par exemple dans 1 Roi chapitre 3, écoutez, et il est parlé ici de là où, comment je veux dire, on allait construire, comment je veux dire, cette maison. Et c'est exactement sur le mont de Morija, vous comprenez, que cela va se passer. Et il est écrit dans 1 Chronique au chapitre. Plutôt 2 Chroniques chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 3. Regardez ce qui est écrit à propos de ce qui va arriver sur ce mont de Morija. Et regardez, quand nous allons dans 2 Chroniques au chapitre 3, et le verset 1er et le verset 2, il est dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan, le Jébusien,
Il commença à bâtir le deuxième jour du deuxième mois de la quatrième année de son règne. Et Salomon a régné sur Israël pendant 40 ans. Il a eu un règne de paix. Il n'a jamais été à la guerre. C'est le type du millénium. Et nous voyons que Dieu a conduit jusque-là. On nous parle ici, c'est de l'ère d'Ornan. Et nous allons voir cela parce que nous devons comprendre ce qui se passe. Pourquoi toutes les nations ont des yeux ou des convoitises sur Jérusalem alors qu'ils ont des pays merveilleux. Et les Français ont leur ville de Paris. Et les Américains ont leur... Ils ont New York, ils ont Washington. Et c'est pas moi. Les Italiens, ils ont leur ville de Rome. Et chaque pays a sa capitale. Mais pourquoi les Nations Unies imposent-ils à Israël de partager sa capitale millénaire? Jérusalem a existé avant Paris. Jérusalem a existé, je peux dire, avant les grandes villes même européennes. Hein? Jérusalem a existé depuis très longtemps. Je pense même que Jérusalem a existé même, bon, avant même que Rome ne soit ce qu'il est. Vous comprenez? Et nous voyons que le monde entier a les yeux braqués sur ça. Alors pour cela, nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures. Parce que seule la Bible dit la vérité. Et nous allons voir que, là où nous étions arrêtés la fois passée, d'abord que quand David est devenu roi, et que toutes les tribus d'Israël se sont rassemblées pour loindre encore roi, alors qu'il avait déjà été moins roi par Samuel, dans la maison de son père, et quand David est devenu roi, et nous voyons que et David a choisi la ville de Jérusalem, c'est là où il devait donc régner, c'est là où il a choisi comme capitale, et nous voyons que pendant cette époque-là, c'était les Jébusiens qui habitaient cette ville, et les Jébusiens ont dit que David ne mettra pas les pieds dans cette ville. Vous comprenez? Il ne mettra pas les pieds dans cette ville, et ils se sont arrangés pour que David ne soit pas dans cette ville, mais nous voyons que David est quand même parti. C'est dans 2 Samuel au chapitre 5. David est quand même parti. Il a conquis la ville. Et parce que les Jébusiens disent, écoutez, David ne mettra pas les pieds ici. Mais malgré ça, Israël ou Juda a cohabité avec les Jébusiens pendant un certain temps, un certain nombre d'années. Vous comprenez, ils ont cohabité ensemble. Et c'est là où David va décider de construire la cité de David. C'est là où David va faire des préparations pour la construction du temple. Et c'est selon ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas le choix de David, c'est le choix de Dieu lui-même. Et afin que la maison de David, plutôt la maison de Dieu, soit construite exactement de ce côté-là où Abraham avait donc voulu sacrifier son fils Isaac. Et nous trouvons cela dans 2 Samuel au chapitre 5, je prends seulement partie du verset 6, quand les Jébusiens ne voulaient pas qu'il entre donc à Jérusalem. David est devenu roi, il avait 35 ans. Et regardez ce qui est écrit, et plutôt il avait 30 ans. Et quand il est devenu roi, il régna 40 ans donc sur Israël, donc jusqu'à ses 75 ans, 75 ans. Il est écrit au verset 6 que ceci: le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dira à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse. Vous voyez, c'était comme une montagne de Sion. C'est la cité de David. C'est là où il va être sa cité. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse, donc qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans, de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel Dieu des armées était avec lui. Et nous voyons que c'est là où David va établir, comment je veux dire, sa cité,
C'est là où il va établir sa capitale. Et de cela, il y a à peu près 3000 ans de cela, que cela est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on n'a aucun droit de contester cela. Et nous allons, je veux vous montrer que cela est arrivé selon les directives de Dieu. Et il y a un événement qui va précipiter, bon, je peux dire, les préparatifs pour le temple. Et c'est David, à un certain moment, inspiré par le diable, il va ordonner le dénombrement de la population d'Israël contre la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'il était en fait inspiré par Satan ou excité par Satan. Il va faire cela. On trouve cela dans 1 Chronique, chapitre 21. Et regardez. Et à cause de cela, Dieu va le punir. Dieu va lui dire, je vais te donner trois punitions, trois châtiments. Choisis l'un des châtiments, je te frapperai pour te punir, pour ce que tu as fait. Et regardez ce qui va arriver. Je vais lire ce passage, il est assez long. Je vais commencer par le verset premier et je vais aller jusqu'au verset 30 pour que nous puissions comprendre ce qui est arrivé et comment David a acheté l'ère, donc où sera installé comment je veux dire, le mont du temple et là où le temple a été construit, là où maintenant le monde musulman a construit cette grande cathédrale à Lasca, qui est à Jérusalem. Et nous voyons que cette ère a été. Donc c'est sur l'ordre de Dieu que David s'est acquis cet endroit, non pas gratuitement, mais il a acheté, il a pesé de l'or, il a pesé de l'argent. Maintenant, écoutons un peu ce passage, lisons attentivement et voyons ce que Dieu a fait avec David. D'abord, nous allons voir quand il a commis l'erreur. Et nous allons voir quand Dieu l'a proposé de choisir le châtiment, il va choisir la peste. Nous allons voir cela. Et voilà, nous allons voir comment la plaie va s'arrêter et comment Dieu va le conduire à acheter cette terre, donc auprès de Jébusien Ornan. Et c'est de là que les préparatifs du temple vont se préparer. Et c'est là où la maison de l'Éternel sera construite. Écoutez ce qui est écrit. 1 Chronique, chapitre 21. Commençons par le verset premier, nous allons aller lentement jusqu'au verset 30. Il est écrit ceci. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël sur l'ordre de Satan. Et David dit à Joab et au chef du peuple, Joab c'est son chef militaire, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 410 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant, ou le prophète, si vous voulez, de David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois
pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, pendant 3 jours, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que tu dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, il ne veut pas ni de la famine, ni d'être livré entre les mains de ses ennemis. Il dit, j'accepte les 3 jours de peste et de destruction, parce que je sais qu'au bout de cela, l'Éternel est compatissant et il aura pitié de moi. Verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Plutôt, dans le verset 4, verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Au comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan. Faites attention à tous les détails. Le Jébusien. David éleva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Maintenant écoute attentivement. L'ange de l'Éternel dit à Gad, de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. Je m'arrête d'abord là. David voit la plaie frapper le peuple. Et il y a 70 000 hommes qui sont tombés en un seul jour. Et David dit, n'est-ce pas moi qui ai péché, ô Seigneur? Mais ces brebis, ce peuple n'a rien fait, c'est moi le coupable. Que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père. Et David a vu l'ange de l'Éternel qui était là avec l'épée nue, prêt à opérer d'autres destructions. Et l'ange de l'Éternel dit à Gad le prophète, parce que la parole devient prophète, va parler à David, afin qu'il monte pour moi, pour élever un autel à l'Éternel, où ça? Dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Un territoire qui appartenait à un Jébusien qui s'appelait Ornan, il dit, va, tu vas m'élever un autel à cet endroit-là. Suivez attentivement. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Il est allé, il a cherché là où était en fait cette terre. C'est là ce qu'on appelle aujourd'hui le mont du Temple. L'aire d'Ornan était là. Il dit qu'il aille m'élever un autel à cet endroit-là. Alors, David est allé jusqu'à cet endroit. Et verset 20, Ornan se retourna lui aussi et vit l'ange et que ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foula alors du froment. Ornan était un païen. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, il aperçut David. Puis il sortit de l'air. Il avait peur parce qu'il avait l'ange de l'Éternel. Et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air. Écoute attentivement. Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre la valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Il obéissait à ce qu'il avait été dit par Gad le prophète. Ornan a répondu à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce que lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande
et je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Vous comprenez? Je ne veux pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Je vais l'acheter à prix d'argent. Tes bœufs-là que tu veux me donner, je ne les prends pas, parce que je ne peux pas offrir à l'Éternel ce qui t'appartient à toi, je dois offrir ce qui m'appartient. Et je ne veux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Et David, écoutez, donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. 600 sicles d'or pour l'emplacement. Les 600 sicles d'or, d'après les mesures qui sont données dans la Bible, représentent à peu près 6 kg 840 grammes d'or. David a donné 6 kilos, c'est bien 6 kilos, 840 grammes d'or. Pour acheter l'emplacement de l'air, donc l'emplacement où sera érigé plus tard le temple que Salomon va construire. David a donné 6 kilos, 840 grammes d'or. Frère, regardez seulement quelques pépites d'or aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça coûte. Hein. Si tu as quelques graines d'or, aller dans un comptoir où on achète de l'or, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Mais ici, David amène à Ornan, le Jébusien, 6 kilos, 840 grammes, 600 cycles d'argent, 56 cycles d'or, pour acheter cette terre pour l'emplacement. Et Ornan a pris cet argent, plutôt cet or. Écoutez au verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, l'Éternel lui répondit par le feu, comme il avait fait pour Élie, qui descendit du ciel sur le tête de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourneau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel avait exaucé, dans l'air d'Ornan le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, était alors sur le haut du lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. David a d'abord acheté l'emplacement. David a construit un autel pour l'Éternel sur cette terre. Il a pesé 600 sicles d'or, 6 kilos 840 grammes d'or qu'il a donné, et que ceux qui sont dans le domaine de minerais qui les calculent, c'est que ça représente aujourd'hui comme valeur qu'il a donné pour avoir cet endroit. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup qui veulent se disputer cet endroit. Les Palestiniens disent, écoutez, c'est notre endroit. Mais cet endroit a été acheté par le roi d'Israël. Et le droit de propriété est incontestable. C'est écrit dans la Bible qu'on a pesé de l'or. On a pesé de l'or pour cet emplacement. Quand vous allez dans 2 Samuel au chapitre 24, il est parlé aussi du même événement. Mais ici, vous pouvez peut-être voir qu'il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. Dans 2 Samuel, chapitre 24, 2 Samuel, chapitre 24, ici, il est aussi parlé de cette transaction que David a conclue avec Ornan. Et ici, il est parlé des 50 sicles d'argent. Il n'est pas parlé de 600 sicles d'or. Et quand nous allons dans 2 Samuel chapitre 24, nous lisons du verset 18 jusqu'au verset 25. Écoutez ce qui est écrit. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. En fait, Aravna et Ornan, c'est la même et même personne. Ici, dans 2 Samuel, on parle d'Arvna.
Mais dans Chronique, il est question de Ornan le Jébusien. C'est la même personne. David monta selon la parole de Gath. Je voulais seulement montrer ici que tout ça a été fait selon les instructions de l'Éternel. David a acheté le mont du Temple sur l'instruction de Dieu lui-même. Écoutez verset 19. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné, à Ravna, regarda et vit le roi et ses serviteurs qui étaient vers lui. Et à Ravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. À Ravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. À Ravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars pour l'attelage serviront de bois. À Ravna donna le tout au roi. À Ravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air, les bœufs, pour 50 sicles d'argent. Écoutez bien, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a deux choses ici qui sont en jeu. Il y a l'air, c'est-à-dire la superficie ou le territoire, et qui couvre, je peux dire, tout le mont du temple, qui est là, qui est qu'on appelle l'air. Cet air qui est appelé en hébreu Goren. Et c'est l'air qui a été acheté à l'équivalent de 50 cycles d'argent, qui représente à peu près un demi-kilo de l'argent qui a été pesé et qui a été donné à Ornan. Mais l'emplacement du temple, lui, a été acheté à 600 cycles d'or. L'emplacement du temple, qui est aussi appelé le Magon en hébreu, a été acheté à 600 cycles d'or pour que David puisse établir l'autel. Mais l'air, je peux dire, tout le parcours, tout le terrain, a été acheté à 50 cycles d'argent, qui est le Goren, a été à 50 cycles d'argent, afin que David puisse y bâtir, ou qu'il puisse en faire un lieu d'adoration, qu'il puisse y bâtir la cité de David, qu'il puisse, à l'emplacement du temple, là où qu'on se dispute maintenant entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est là où il y a le mur des lamentations, où les Juifs vont adorant, faisant comme ça, devant ce mur, ils vont mettre les vœux dans les trous de murs, et a été acheté à prix d'or, à 600 cycles d'or. Et tout l'air a été acheté, donc le Goren a été acheté à 50 cycles d'argent. Et le Magon, c'est-à-dire l'emplacement où sera placé le temple, à 600 cycles d'or. Est-ce que vous 6 cycles d'or? Et nous voyons que Dieu est tellement merveilleux, tout ça a été fait sur l'ordre de Dieu. Et aucune personne ne peut contester les décisions de Dieu. C'est pourquoi je le déclare sur ma Saintes Écritures que Jérusalem est la capitale de Dieu, la capitale que Dieu a choisie pour Israël. Dieu a choisi Jérusalem, c'est sa ville. Quand du temps de Salomon, écoutez, du temps de Salomon, d'habitude je vous ai dit ici que dans de Samuel au chapitre 3, c'est plutôt de Chroniques, au chapitre 3 de Deux Chroniques, quand Salomon, sur instruction de son père, a commencé à construire la maison, il a construit tout sur cette terre qui avait été achetée par David, son père, à Ravna, ou à Ornan le Jébusien, c'est la même personne. Il est écrit, je relis encore ce passage. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, cette même montagne sur laquelle Abraham avait voulu sacrifier Isaac, mais il a eu un bélier, ce bélier représentant Christ,
qui avait été indiqué à David, son père, était indiqué, qui indiquait à David son père, c'est Dieu lui-même, dans le lieu préparé par David, sur l'air d'Ornan le Jébusien. Comprenez? Sur l'air, l'air a été acheté à 50 cycles d'argent. Comprenez? Mais l'emplacement où sera placé le temple, là où Salomon va construire, a été acheté à 600 cycles d'or, payé comptant. Et ça, personne ne peut le contester. Pendant des siècles, Jérusalem a toujours été la capitale incontestable d'Israël. Pendant des siècles, on ne voit nulle part où les Philistins ont réclamé une partie de la partie de Jérusalem. Et cela se fait aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que des prophéties s'accomplissent. Je vais vous le montrer, vous comprenez? Et Jérusalem, et c'est la ville choisie par Dieu. Les revendications des hommes, et c'est tout simplement pour que les prophéties bibliques s'accomplissent. Et dans 1 roi au chapitre 11, c'est-à-dire que quand Salomon a abandonné son Dieu, Salomon, oh là là, à cause de l'amour des femmes, Salomon a abandonné son Dieu, Salomon a sacrifié pour des idoles, il a sacrifié pour Astarté, il a sacrifié pour Baal, il a sacrifié pour tous les dieux de ses femmes, et il a sacrifié pour Milcon, l'abomination des Ammonites, il a sacrifié pour Kenosh, l'abomination de Moab, et il a sacrifié pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Il a fait tout ça parce qu'il a aimé beaucoup de femmes. Salomon a eu 1000 femmes, dont 300 épouses officielles et 700 concubines. Et ces femmes ont penché son cœur vers l'idolâtrie. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon. Mais il avait promis à son père que j'affirmerai le royaume, le règne de ton fils. Et dans 1 roi chapitre 11, je relis à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, mais c'est le verset 13 qui nous intéresse. Il dit ceci, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte que tu n'as point observé mon alliance, et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Écoutez maintenant le verset 13. Je n'arracherai point cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Qui peut contester ça? Parmi les villes du monde, Dieu dit, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Jérusalem occupe une place importante dans l'histoire du salut. Il est dit, de Sion sortira la loi, c'est dans Ésaïe chapitre 2 verset 3, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Tout a commencé par Jérusalem. L'Église a commencé par Jérusalem. L'effusion du Saint-Esprit a commencé par Jérusalem. L'Éternel, le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 8. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance là-haut. Et c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu. Quiconque veut s'attaquer à Jérusalem, il s'attaque à Dieu. Vous comprenez? Et Jérusalem, c'est la capitale indivisible de l'État d'Israël. Personne ne peut contester cela. Du temps de David, montre-moi là où les Philistins occupaient Jérusalem-Est. Montre-moi ça. Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël. Et jusqu'à ce que, même pendant la colonisation romaine, toute la ville de Jérusalem appartenait au peuple juif, mes frères, mes sœurs. Revenez à la parole de Dieu. Respectez Dieu, respectez sa parole. Respectez les décisions de Dieu. Dieu dit, je laisserai à Roboam, ton fils, et à Salomon, une tribu. Et à cause de David, mon serviteur, et à cause de la ville de Jérusalem, que moi, l'Éternel, j'ai choisi.
Jérusalem, c'est une ville élue parmi les villes qui sont sur la terre. Parmi les villes, Paris, New York, Washington, c'est pas moi, Brasilia, c'est pas moi, toutes les villes que vous connaissez, Mexico, c'est pas moi, Tokyo, Kinshasa, Dar es Salaam, tout ça, Dieu dit, j'ai choisi Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, qui va descendre d'en haut, oh là là, comme une épouse paraît pour son épouse, elle va descendre où? Elle va descendre à Jérusalem. Tout s'est fait à Jérusalem. D'ailleurs, elle est appelée la nouvelle Jérusalem. Elle n'est pas appelée la nouvelle Paris. Ce n'est pas la nouvelle Washington, mais la nouvelle Jérusalem. Et nous voyons que Dieu est jaloux de Jérusalem. Dieu ne veut pas qu'on joue avec Jérusalem. Dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12, regardez l'avertissement que Dieu donne à tous ceux qui veulent jouer avec Jérusalem. L'ONU prend de soi-disant des résolutions contraignantes contre Israël. Vous devez céder une partie de Jérusalem. Et ils disent, écoutez, ce que Israël construit dans la partie de Jérusalem, ce sont des constructions anarchiques, des constructions illégales. Qui êtes-vous pour contester les décisions de Dieu? Et dans Zacharie chapitre 12, je voudrais que le monde entende ces choses. Zacharie chapitre 12, je prends le verset 2 et le verset 3. Ici, ce n'est pas la parole d'un prophète, mais c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a dit que j'ai choisi Jérusalem. Il est dit ceci, verset 2, verset 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour. Et aussi pour Juda, dans le ciel de Jérusalem. En ce jour-là, écoutez, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils soient russes. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, en quelque sorte seront écrasés. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous comprenez? Toutes vont s'assembler contre elle. Mais Dieu défendra Jérusalem. Dieu combattra pour son peuple. Dieu défendra Jérusalem. Je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Donc, comme on dit, tu vas avoir des vertiges. Je fais de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Quiconque tentera de la soulever sera écrasé par elle. Vous comprenez? Et sera meurtri. Et toutes les nations de la terre s'assemblent contre Jérusalem, mais Dieu défendra Jérusalem. Il y aura la bataille d'Armageddon, c'est vrai. Quand ça arrivera, les gens monteront contre Jérusalem pour la posséder, pour la conquérir. Mais Dieu combattra pour Jérusalem. Vous comprenez? Et il y aura la bataille de Gog et Magog qui va venir aussi. Tout ça, Dieu combattra pour Jérusalem. Vous comprenez? Il dit, quiconque voudra la soulever, quiconque voudra diviser Jérusalem, qui voudra la disloquer, il aura affaire à Dieu lui-même. Et pourquoi Israël est-il rentré en Palestine, sur cette terre? C'est pour attendre la venue du Messie qui viendra à eux et qu'ils reconnaîtront cette fois-ci. La première fois, ils ont été aveuglés parce qu'il fallait qu'ils soient aveuglés pour que nous, les nations, nous puissions entrer. Mais cette fois-ci, ils vont le reconnaître, selon qu'il est écrit dans le même chapitre de Zacharie, chapitre 12, commençant par le verset 10. Et regarde ce qui va arriver quand il viendra. Ils sont rentrés en Palestine. Je parle de vrais juifs orthodoxes. Ils sont rentrés pour attendre leur Joseph. Ils sont entrés pour attendre leur Messie. Et regardez ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 12, verset 10 jusqu'au verset 10 ou verset 14. Il est écrit. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, pas les habitants de Paris, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est vrai. Quand il est venu dans la chair humaine, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris, ils l'ont tué, ils l'ont pendu au bois. Mais ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ici, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'Éternel qui parle. Ici, Jésus n'est pas encore né. Jésus sera né plus tard à Bethléem. Mais ici, c'est l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel qui parle. Il dit, ils tournent les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Oh là là, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Oh, que la parole est merveilleuse sur un premier-né. Il est écrit dans l'évangile de Jean. Oh là là, regardez au chapitre premier de l'évangile de Jean. Il est dit ceci. Jean chapitre premier. Et il est écrit ceci. À propos de cette parole qui est au commencement. Et il est dit ceci. Que cette lumière, ce soit une véritable lumière. Et je prends à partir du verset 11. Il est dit. Et il est venu chez les siens, la lumière. Et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, c'est un problème de nouvelle naissance, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez maintenant le verset 14. Et la parole a été faite chair, Dieu est devenu un homme, et il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et ici, il est dit dans Zacharie, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un Fils unique, le Fils unique du Père. Ils pleureront sur lui et amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et il était le premier-né de la nouvelle création. Écoutez, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon, dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chimé séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Le deuil sera grand aussi à Jérusalem. Tout ça doit s'accomplir. Et pour que cela puisse s'accomplir, il faut que Israël possède entièrement la ville de Jérusalem. Le deuil sera grand à Jérusalem. Le deuil sera grand à Jérusalem. Ils vont pleurer sur lui. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et parce que, oh frère, c'est comme ce qui s'est passé Joseph se fait connaître à sa frère, je vais le lire tout à l'heure. Mais écoutez, au chapitre 13, au verset 6, il dit, et si on lui demande, écoutez, à celui-ci qu'on pleure, d'où viennent les blessures que tu as aux mains? D'où vient que tu as des blessures là-bas aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. C'est dans la maison de mes frères que j'ai été crucifié, que j'ai été maltraité. Et vous savez, quand Joseph s'est fait connaître à ses frères, oh, le deuil a été grand. Ce jour-là, en Égypte, là, dans le palais de Joseph. Et écoutez, prenez rapidement avec moi, Genèse chapitre 45. Nous terminons par là, Genèse chapitre 45. Quand Joseph se fait connaître à ses frères, c'était une image merveilleuse de ce qui va arriver quand il se fera connaître à ses frères. Genèse chapitre 45, commençant par le verset 1er. Je vais aller rapidement, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Il dit, donc Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le peuple, tout le monde. » Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et nous aussi, quand Christ va se faire connaître à ses frères, les Juifs, l'épouse sera dans la gloire. L'épouse sera déjà enlevée, vous comprenez? Et il éleva la voix. Et en pleurant, les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Ils ont entendu Joseph élever la voix avec des sanglots, avec des pleurs. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père, vit-il encore. » Lui les avait reconnus, mais ils ne l'ont pas reconnu.
Quand Christ viendra, lui connaît ses frères, mais ils ne le connaîtront pas. Et il dit, mon Père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Oh frère, quand Christ viendra pour faire mal à ses frères, ils seront aussi troublés dans sa présence. Quand ils sauront que celui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans, c'est le même qui se tient devant eux, le deuil sera grand à Jérusalem. Ils seront dans la confusion. Ils étaient troublés dans sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour m'être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est le type du Messie. Il était l'image du Messie. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de l'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de nom, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchit devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu voulant, nous allons continuer à partir de là. Et vous allez voir que tout ce qui arrive maintenant a été préfiguré dans la parole prophétique. Et Dieu avait tout prévu. Et Joseph, quand il s'est fait connaître à ses frères, c'est l'image du Seigneur Jésus. Quand il se fera connaître à ses frères, où ça? À Jérusalem. Et le deuil sera grand. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde les désirs de votre cœur et ce que vous accorde la foi pour croire la véritable parole et fuir les théâtres et les amusements qui se trouvent maintenant dans les églises où les gens font n'importe quoi au nom de Dieu. Mais attachez-vous à la pure parole. Attachez-vous à la parole révélée pour cette heure. C'est dans cette parole qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, que le visa pour aller dans l'enlèvement. Et que Dieu puisse vous sceller de son esprit afin que ce jour-là, vous ne soyez pas confus avec les pécheurs. Que Dieu bénisse, si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.